L'écurie à vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage. Voir s'il y a un message pour vous. Voilà, on va essayer de faire sortir un message avec la boule de cristal et un tarot. Ok, on va voir s'il y a des messages qui vous sont adressés et voir un petit peu ce qui a de l'importance pour certaines personnes. Alors, ça va pas parler à tout le monde, il n'y a pas des messages pour tout le monde, mais voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qui va sortir. De ce tirage, de cette ouais, de ce tirage. On se concentre, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments. Et on va y aller avec la boule de cristal et le tarot. Le deck of the dead, pour ceux qui veulent savoir. Allez, on y va. Bon, je vais essayer de le séparer en deux. Je vais quand même faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message de la coupe, des choix? Où on va, ici, il y a alors une décision. Vous devez prendre une décision. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à une décision que vous deviez prendre. Ouvrez les yeux. Vous pensez que c'est la même chose pour certains. Vous pensez que c'est la même chose. Vous pensez que la décision que vous preniez, vous décidiez ceci ou cela pour vous, ça n'a pas d'importance. Mais si, si, ça a de l'importance. Ça aura de l'importance. Donc, faites attention quand même à votre choix. Parce que il y a quelque chose qui va se mettre en place suite à ce choix-là. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Soit une personne, alors ça peut être vous aussi. Il y a une autorité, de l'autorité pour une personne qui va s'élever. Donc, soit vous allez suite à une décision, certainement que vous allez prendre, ou alors que quelqu'un d'autre va prendre. Mais c'est vous qui devez superviser la situation. Vous devez superviser la situation ou vous devez diriger un petit peu la décision. Ça, c'est à vous de faire cette manipulation, peut-être, effectivement, pour que la décision aille. C'est pas mauvais de toute façon, mais pour que la décision soit favorable pour vous, parce que après, sinon, il va y avoir une personne, il pourrait y avoir une personne qui vous persécute ou qui va être très désagréable avec vous. Donc, il faut faire attention à certains choix. Ne pas non plus laisser trop de liberté, peut-être, à quelqu'un. Voilà. Peut-être ne pas trop laisser de liberté à une personne. Pour ne pas qu'elle vous. J'allais dire pour ne pas qu'elle vous mange sur la tête, mais c'est un peu gentil, ce que même dire cette expression-là, c'est un petit peu gentil. Donc, vous devez quand même faire attention à vous par rapport à une décision. Ça peut être une décision de justice, ça peut être aussi une parole que l'on va dire, une parole, la communication. Donc, on va peut-être dire quelque chose et ça ne va pas plaire ou ça va plaire, mais vous avez encore, en réfléchissant bien, vous avez tout pour pouvoir prendre la bonne décision ou faire en sorte que la décision soit favorable pour vous. D'habitude. D'habitude, c'est rare quand je n'arrive pas à avoir les mêmes, mais là. On va essayer. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout du jeu, hein, parce que on va voir. Allez, on y va, les amis. Votre message avec la boule de cristal. Ok, on a déjà des rois et des reines ici qui sortent. Hein. On est quand même dans des énergies de domination. J'ai ici une personne. Alors, ici, j'ai une personne qui est dominée par une autre personne. Donc vous avez tous les deux un certain pouvoir, mais l'autre, un des deux en tout cas, a un pouvoir financier matériel qui vous empêche d'évoluer normalement. Donc vous avez tout sauf l'argent, sauf les moyens, et vous dépendez peut-être de quelqu'un. Donc vous dépendez de quelqu'un et ça vous rend triste ou ça vous ennuie.
Donc, il faudrait peut-être penser à rétablir un équilibre par rapport à des finances, par rapport à de l'argent. Il y a un déséquilibre financier parce que vous n'avez pas les moyens et vous ne savez pas comment faire pour avoir les moyens. C'est comme une femme qui dépend de son mari parce que le mari travaille comme dans le temps jadis. L'homme travaillait, la femme restait à la maison, elle ne travaillait pas parce que c'était comme ça. Et le mari comblait sa femme, en principe, dans la haute société, je veux dire. Et ici, ben, c'est pareil, vous êtes comblé, mais vous n'avez quand même pas tout ce que vous désirez. Mais c'est surtout l'aspect financier ici qui vous gêne. C'est l'aspect financier. Ou alors, j'ai aussi une personne qui vous tient avec l'argent. Donc, il paie vos émotions. Il paie vos émotions, vos sentiments, parce qu'il a de l'argent. Il vous achète quelque part, mais ça vous rend très malheureuse. Ou malheureux, ça peut être il ou elle, hein, vous mettez pour vous. Alors. Alors ici, on vous dit, reste sur ta décision. Il faut que vous restiez sur votre décision pour pouvoir conquérir le monde. Vous allez avoir ce que vous désirez, ça c'est absolument certain. Vous allez avoir ce que vous désirez, mais vous devez rester structuré, rester structuré, rester sur ce que vous avez, rester maître de vous-même et vous aurez ce que vous désirez. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas dans cette force de caractère là pour le moment, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à une personne qui va vous diriger, vraiment vous tenir sur les rails pour que vous puissiez évoluer et vous arriviez à la bonne gare au bon moment et au terminus, on va même dire comme ça, vraiment. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Soit c'est vous qui êtes maître de vous-même, vous avez beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, de puissance, de prestance. Ou alors, vous pouvez demander à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va être près de vous, qui va pouvoir vous aider pour arriver à ce que vous désirez. Voilà. Alors. Je regarde beaucoup les images, elles sont très, c'est très parlant ce jeu avec les images aussi. Bon, ici, d'après ce que je vois, d'après les images, hein, pas d'après, voilà, pas d'après la valeur de la carte. D'après les images, moi, ici, je suis désolée, mais je vois un décès. Le décès d'une personne, c'est certainement pas quelque chose de soudain, c'est certainement une personne qui est malade, qu'il faut peut-être que vous laissiez partir. Il ne faut pas non plus, peut-être. Parfois, les gens, ils ne partent pas parce qu'ils savent que ils sont malades, mais ils n'osent pas se laisser aller parce que pour ne pas vous faire de la peine. Mais parfois, il faut pouvoir laisser partir certaines personnes. Il faut aussi savoir faire le deuil d'une situation, mais ou d'une personne. Maintenant, il pourrait s'agir effectivement d'un décès. D'accord? Mais pour moi, ça peut être subi, soudain, mais subi, on dit subitement, je sais plus. Mais il y aura rien à faire ici. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit s'en aller, et c'est pour son mieux-être, pour son bien-être. Et au final, ce sera pour votre bien-être aussi. Parce que vous allez être libéré aussi de la souffrance de l'autre, que vous portez aussi sur vos épaules. Ou de la souffrance, ou de la souffrance d'une situation, hein, c'est possible aussi. Alors ici, grâce à la justice, grâce à quelque chose qui va être rééquilibré, on rééquilibre, on retrouve un équilibre, on équilibre une situation et on va pouvoir enfin commencer quelque chose qui nous passionne. Donc, soit c'est la loi, la justice des hommes, peut-être la justice pas des hommes, hein, ça c'est chacun selon ses croyances. Il y a ici une porte qui va s'ouvrir
et qui va vous libérer pour pouvoir... Alors, la porte qui va s'ouvrir, c'est vous qui allez pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir faire ce que vous désirez. Un nouveau départ pour vous. Par contre, la porte qui va s'ouvrir pour vous, elle se fermera pour que, peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Et ce qui va être renfermé, c'est quelque chose qui ne pourra plus vous impacter. Donc, vous allez pouvoir évoluer et avec passion, avec la création, la créativité, vous allez pouvoir vraiment évoluer. Et ce qui vous ennuie va être... ça va être bloqué. Alors, on essaie de réparer ses fautes. Alors, je ne sais pas qui, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ou si ça vous touche de près ou de loin. Mais il y a quelqu'un qui essaie de réparer ses fautes, de réparer une blessure avec de l'argent. C'est comme si on voulait compenser, on vous aurait humilié, par exemple, et on vous aurait blessé, et du coup, on vous dit, ben, je vais te donner de l'argent, je vais te donner une telle somme pour réparer ma faute, soit pour que tu n'aies pas porté plainte, soit parce que je me sens coupable, mais il y a une forme de réparation. Peut-être que c'est aussi une blessure, une très vieille blessure, hein. Une très vieille blessure qui est toujours là, qui saigne toujours. Et vous allez avoir, il est possible que vous ayez une compensation financière, mais aussi que la personne qui vous aurait blessé pourrait venir s'excuser d'ailleurs, pourrait venir s'excuser ou vous donner, oui, vous donner de l'argent ou vous donner autre chose, vous se faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui allez demander pardon à quelqu'un que vous auriez blessé éventuellement. Alors ici, on va vers quelque chose, on est en train de gagner, on avance et on renaît de ses cendres ici. On a un triomphe, on n'y croyait plus du tout. Et pourtant, on a une deuxième chance. Voilà, je pense qu'ici, il y a une deuxième chance. C'est vraiment ça. Une deuxième chance pour pouvoir repartir de zéro. Ou, enfin voilà, une deuxième chance. Mais c'est inespéré, c'est vraiment une deuxième chance grâce à un coup de chance. Donc, la chance... Comme je dis toujours, elle ne fait que passer. Il faut savoir la saisir quand elle passe. Donc, saisissez votre chance parce que vous, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir de nouveau la possibilité de commencer, de continuer, de recommencer quelque chose. C'est comme si on allait effacer tout pour pouvoir tout recommencer. Mais ce sera la deuxième et dernière chance. De l'argent aussi, de l'argent. On travaille beaucoup. Il y a quelque chose, ça concerne l'argent, le travail, le fait de donner beaucoup de soi-même pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. Donc ici, vous allez, après un dur labeur ici, alors certainement vous avez déjà beaucoup travaillé, donc je pense que pour beaucoup, vous êtes presque au bout de vos peines, vous allez pouvoir enfin, vous allez pouvoir, grâce à vos efforts, ben, semer, récolter ce que vous aurez semé. Et c'est surtout un aspect financier, matériel, voilà. Mais vous allez pouvoir bientôt, très vite, très proche, prochainement, vous allez pouvoir faire ce que vous désirez parce que vous aurez assez d'argent pour le faire. C'est de l'argent ou ça peut être autre chose que de l'argent, mais ici, ça me parle d'argent. Mais en tout cas, c'est grâce à vos efforts, grâce à votre ténacité, grâce
à ce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Voilà. Donc du coup, ici, vous allez pouvoir créer quelque chose. Commencer quelque chose. Acheter quelque chose. Faire des projets. On restera des sous ici. Des choix. Alors, il va y avoir des choix à faire. C'est bizarre. L'image ici, elle est bizarre. On dirait qu'on force le vieux monsieur à signer un document. Alors, des choix à faire. Non, on est dans l'attente, pardon. On est dans l'attente, on est dans la patience, on patiente encore. On est dans l'attente et pourtant, les choses sont en train d'arriver. Alors oui, il pourrait s'agir d'un héritage, effectivement. Il s'agit en tout cas de... Ça me parle encore d'argent. Ça me parle que vous allez avoir ce que vous attendez financièrement. Donc, soit un héritage, quelque chose qui va se débloquer, peut-être une forme d'argent qui va se débloquer, l'aspect financier. Il y a quelque chose qui me... J'ai quand même envie de dire, hein. Bon, par exemple, vous avez des parents âgés, eh bien... Et sincèrement, réfléchissez bien aux personnes qui vont chez eux, que ce soit peut-être la femme d'ouvrage, l'infirmière, peu importe, la voisine, le voisin, le filleul, peu importe. Ici, j'ai ce sentiment que on n'aura plus la patience d'attendre et on va faire signer des papiers pour avoir plus vite ce que l'on désire financièrement. Donc, soit on doit hériter de ces personnes-là, mais ces personnes-là, ben, elles vivent toujours, toutes les deux. Donc, le couple vit toujours, et il faudrait qu'il soit éliminé pour pouvoir toucher l'argent. Et là, je vois quelqu'un qui en a vraiment marre d'attendre, et du coup, on va un petit peu précipiter l'affaire ici. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas une ou des personnes qui soient malhonnêtes avec... Une personne a peut-être, alors soit une personne plus âgée peut-être, mais aussi une personne naïve peut-être. Parce qu'on va profiter, de notre force physique, mentale, ou du fait que la personne a besoin de nous. Enfin, je parle de nous, non. La personne qui est plus faible et qui a de l'argent, par exemple, va être manipulée par des gens. Ces gens-là qui veulent avoir ce que la personne naïve, le couple peut-être, moi je vois un couple ici, mais il va signer n'importe quoi parce qu'il a peur, parce qu'il ne comprend rien, et du coup il va perdre ses avoirs. Et si c'est un parent, votre papa, votre maman, et que vous méfiez-vous quand même d'une personne qui viendrait chez eux, peu importe, la coiffeuse, le boulanger, peu importe, mais méfiez-vous. Regardez bien si tout est toujours en place, parce que il y a quelqu'un qui convoite quelque chose. Il est possible aussi que ce soit des gens qui n'ont plus personne. Ils n'ont plus personne, donc il y a, et on les manipule. Mais là, on manipule fort, hein, là. On le force ici. Parce que là, j'ai une madame qui pleure, vieille dame. Alors. Ok. Alors, vous allez vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. On vous dit ça. Pars, laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus.
Et là, j'ai. Il faut. En fait, vous devez laisser quelque chose derrière vous pour aller vers un autre futur. Oui, parce que si vous restez, si vous continuez, ça n'ira pas. Donc, il faut que vous puissiez vous-même avancer dans votre futur, un bon futur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est vous qui êtes. Oui, soit c'est vous manquez de quelque chose, vous manquez d'argent, il y a un manque, peu importe du domaine, ça peut être dans tous les domaines. Et vous devez quitter, ou on vous avertit, si tu ne t'en vas pas, si tu ne tournes pas le dos à cette personne, à cette situation, si tu ne lui tournes pas le dos, tu vas être fauché, tu vas être malheureux, tu vas être triste. Tu vas te retrouver sans rien. Donc, tu dois absolument te prendre en main et partir de là. Ne reste pas avec ces gens-là, ne reste pas dans ce gouffre financier, par exemple, dans cette maison qui te coûte les yeux de la tête. Il faut vraiment avancer. Et il faut vraiment avancer, laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui est vide, ce qui est cassé, ce qui est périmé, ce qui est pourri, ce qui vous bouffe. Pour pouvoir évoluer et pour pouvoir éviter ce manque. Parce que une fois que vous allez être dans le manque, ça va être très 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 compliqué pour vous de vous en sortir. Donc il y a des décisions à prendre pour ne pas tomber dans ce manque, dans cette mendicité-là. Parce que vous allez avoir très très difficile. Il n'y a pas vraiment l'air d'avoir des gens qui vont vous aider, en tout cas pas très rapidement. Donc, mais vous avez encore tout le loisir de ne pas tout perdre. Alors, ici, c'est une victoire sur un conflit. Non, pas du tout. C'est une victoire. On revient en héros. Donc, il y a un résultat positif. Il y a un résultat positif qui fait que vous allez gagner, vous avez gagné, vous gagnez la bataille, ça c'est sûr. Vous gagnez la bataille, c'est sûr. Vous avez les honneurs, vous avez du pouvoir, vous avez du succès. Voilà. Et en même temps, ça va faire en sorte qu'il y a une délivrance. Alors, soit c'est vous qui allez être délivré par rapport à votre mental, le fait de gagner, d'avoir des honneurs, de recevoir des honneurs, de voir que vous avez de l'importance pour beaucoup de monde, eh bien, vous allez pouvoir enfin être libre dans votre tête et vous allez pouvoir soit vous lever et vous aller où vous voulez aller, où vous devez aller, mais vous pouvez vraiment maintenant sortir de l'endroit où vous vous cachez, où vous vous mettez un petit peu à l'écart, à l'abri. Parce que il y a, vous allez, compliqué à expliquer. Vous avez de très très bonnes énergies pour gagner une guerre. Et donc, parfois quand il y a la guerre, mais il y a des gens qui se cachent. Mais là, vous allez revenir vainqueur, où il y a une victoire, et vous n'allez plus vous cacher. Vous n'allez plus devoir vous cacher. Vous aviez besoin de repos aussi. Donc, vous pouvez peut-être prendre un peu du repos, oui, mais après, ça va aller. Donc, il y a là, cette situation qui vous bloque, qui vous dit que vous n'avez pas envie de bouger parce que vous n'avez pas envie de communiquer à quelqu'un ou vous n'avez pas envie de sortir de votre. Vous êtes fatigué, vous avez envie vraiment de vous poser, de vous reposer. Vous avez envie de penser à vous aussi, mais maintenant, ça va. Vous pensez à vous, mais vous vous cachez, j'ai l'impression. Et comme maintenant, il y a des énergies de gagnant, vous allez pouvoir enfin bouger et renaître de vos cendres, quelque part. Ouais. On renaît de ses cendres grâce à une victoire. Alors, vous allez mettre en place ici
vous allez mettre en place quelque chose de super important pour vous. Vous allez mettre en place, vous allez créer quelque chose, vous allez passer à l'action. Et ici, on a quelque chose de très rapide. On a des énergies très rapides. Il y a des offres d'amour, d'amitié, d'affection. Non, oui, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement grâce justement au fait que vous êtes prêt à accueillir ces énergies-là. Parce qu'on n'est pas, parfois on dit oui, moi je veux rencontrer quelqu'un, mais au fond, on n'est pas prêt à accueillir cette personne. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir vous dire, moi je suis prêt à accueillir l'amour qui va arriver. Et je crois que l'amour va arriver. Et effectivement, si vous êtes prêt à accueillir l'amour qui arrive, si votre cœur est libre, si vous êtes libéré de toute forme, si vous avez libéré votre cœur d'une personne qui prenait toute la place, à ce moment-là, l'univers va le voir et on va vous envoyer quelqu'un pour pouvoir aller dans votre cœur. Sinon, normalement, on ne vous enverra personne. Tant que vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça va être compliqué. Il n'a pas sa place. On ne va pas vous envoyer quelqu'un pour... Non. Vous devez chasser la personne qui n'a plus sa place dans votre cœur. D'une manière ou d'une autre, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais là, je crois que ça va le faire. Et il y a tout de suite après, il y a une nouvelle rencontre, une offre d'amour, une demande. Voilà. Donc, on va vraiment... si vous avez peur de rester seul, etc., ça ne va pas rester seul longtemps. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va arriver. Ou on va vous dire, tiens, tu sais, un tel, ben, il a flashé sur toi. Voilà. J'ai deux valets ici, de deniers et de coupes. Bon, bah écoutez, de toute façon, les valets sont des messagers. Des messagers d'argent, des messagers de sentiments. J'ai ici quelque chose. Alors, j'ai quelque chose avec un animal de compagnie. On me parle d'un animal de compagnie. Ah, oh, effectivement. J'ai un animal de compagnie. Attendez. En fait, il y a des personnes qui se parlent. On dépense de l'argent pour son animal de compagnie. On va dépenser de l'argent pour son petit animal de compagnie. Je ne pense pas que ce soit spécialement négatif. Hein, c'est pas spécialement parce que l'animal de compagnie va être malade et qu'on va devoir aller le faire soigner chez le vétérinaire qu'on va dépenser. Non, on peut dépenser de l'argent pour son petit animal pour plein de raisons. Et beaucoup d'amour. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. De la part de cet animal ou alors grâce à des échanges. Donc ici, on reçoit de l'amour. On est heureux. On est heureux. Un couple pourrait même se former, moi je vois ici. Un couple pourrait se former. On pourrait choisir. On vous dit ici, il y a quelqu'un près de toi. Qui t'est complémentaire et qui est prêt ou prête, cette personne est prête à faire un bon bout de chemin avec toi. Maintenant, à toi de jouer, peut-être, parce que l'autre est trop gêné, par exemple, l'autre personne. Mais
mais il y a quelque chose, une belle évolution. Une évolution, enfin, il y a quelque chose qui va pouvoir commencer parce qu'il va y avoir des. On va se parler. Je sais que je n'ai pas spécialement de la communication avec les cartes, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai quand je vois ces images. Elles sont trop parlantes. J'ai des personnes, vous allez vous sauver l'un l'autre. C'est comme si vous allez trouver votre bouée de sauvetage dans un moment de votre vie où vous en avez besoin. Et en même temps, vous allez trouver la bouée de sauvetage qui va vous sauver. Et vous allez sauver vous, vous allez être la bouée de sauvetage de l'autre personne. Donc vous allez être vraiment l'un pour l'autre, tout l'un pour l'autre. Des mensonges. On vous a menti, on vous a trahi. On vous a volé. On vous a dit des mensonges, oui, j'ai dit. Et pourtant. Ah, et peut-être bien que cela va vous aider à tourner une page. Vous allez voir le vrai visage d'une personne. Vous allez voir le vrai visage d'une personne. Et vous allez être déçu ou tout simplement vous allez être assuré que vous aviez bien vu. Il y a une personne qui va montrer son vrai visage, qui n'est pas beau, hein. C'est pas un beau visage, mais voilà. J'ai des talents cachés ici, mais des talents cachés. C'est comme si, ben, moi je suis allée voler les voitures, voilà. Genre de talent comme ça. Moi je sais ouvrir toutes les portes que j'ai envie. Donc voilà, c'est ce genre de talent caché qui n'est pas positif en soi, sauf si vous voulez aller commettre des larcins. Mais en tout cas, il y a le vrai visage d'une personne qui va être mis au jour, à la lumière, pour que vous puissiez commencer à évoluer. Je vois ici une nouvelle rencontre aussi pour quelqu'un, une nouvelle rencontre, un nouveau départ, on tombe amoureux, ça peut être aussi un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. Mais il faut faire attention, parce que peut-être qu'on va convoiter ce que vous avez de nouveau ici. Il y a quelque chose que vous allez avoir de nouveau, de neuf, un travail, un nouvel amoureux, peu importe, des nouveaux projets, et cette personne peut-être que c'est une personne qui va vous perdre parce que vous avez d'autres projets et que vos projets ne sont plus avec cette personne n'a plus la place dans vos projets, mais aussi parce que cette personne ne vaut pas la peine, parce que cette personne n'est pas la personne que vous pensiez qu'elle était. C'est une personne qui n'est pas très honnête, donc vous allez lui tourner le dos. Conflit intérieur, vous vous posez des questions pour certains là. On se pose des questions. Ça me parle de dispute. Et alors c'est un conflit intérieur et vous allez être. Quelqu'un pourrait vous blesser avec la parole. Ça peut être un adolescent ou une personne jeune de caractère. Voilà, vous allez peut-être ici. Vous allez être blessé et quelque part vous allez vous poser des questions dans votre fort intérieur aussi par rapport à une blessure. Ou vous vous posez des questions et en plus de ça, en plus du fait que vous ne savez pas trop où vous en êtes, on va vous dire quelque chose qui va encore vous blesser et vous faire un petit peu plus de mal.
Ça ne parle pas à tout, ça ne parle pas à tout le monde, hein, donc heureusement. C'est dans les moments à passer, c'est tout. Qui sera peut-être même très très court. Hein. Alors, on trouve. Ouah, ici. Ah, ok. J'ai un équilibre parfait. J'ai un équilibre, comment ça s'appelle? Un funambule. Donc, je pense ici, le message à passer, fais attention, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, évoluer, surtout dans ta passion, dans ce qui te passionne, dans ce qui te passionne, dans ce que tu aimes. Donc, tu as tout pour avancer, pour évoluer. Tu n'as besoin de rien de plus. Et pourtant, tu vas devoir, tu vas faire un choix. Peut-être pas que tu vas devoir faire le choix, mais tu devrais te contenter de ce que tu as. Si tu as un choix qui peut se proposer à toi, surtout si c'est financier, tu vas peut-être te dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'ai envie de vous dire, alors les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est pas pour ça que j'ai raison, mais là, j'ai envie de vous dire, faites attention. On sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on aura. Ça veut dire qu'on ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Parce qu'on peut se casser la figure bien, bien, bien fort et on peut se faire bien, bien, bien mal. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Vous êtes en train de construire quelque chose ou quelque chose se construit autour de vous. Ce sont des fondations super importantes et super solides. Et puis, boum, il va y avoir quelque chose qui va vous faire hésiter. Vous allez avoir envie de faire des choix, mais est-ce que ça vaut la peine de faire des choix au détriment de ce que vous avez déjà acquis ici? Ah, ici, j'ai chef d'entreprise, j'ai une personne, ça peut être vous, hein, et un pouvoir, du pouvoir, de la force, de la puissance ici. Waouh! J'ai une personne qui est motivée, une personne qui est passionnée. Une personne qui a de la force physique. Pas que. Donc ici, il y a une personne, c'est vous certainement, où vous allez avoir l'opportunité de pouvoir demander de l'aide à cette personne. Donc c'est une personne qui est le chef d'entreprise, c'est une personne qui est patron, qui a beaucoup de vitalité, c'est une personne qui est un chef et qui a du pouvoir ou qui va avoir du pouvoir, encore plus de pouvoir peut-être, encore plus de pouvoir et de puissance. Alors, est-ce que c'est vous qui allez encore avoir plus de puissance ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou on vous dit, ben, va voir cette personne-là pour qu'elle t'aide, elle pourra vous aider, effectivement. Ah, on danse, on célèbre. Ici, il y a quelque chose de très très heureux, une fête, quoi qu'il en soit. Et il y a une fête, il y a quelque chose qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux. Et on a envie de le dire à tout le monde. Il y a, ça va être, ça va, vous allez le dire à tout le monde. Vous allez pouvoir partager ce moment de joie. C'est vraiment un moment intense de joie. C'est presque, waouh, c'est juste magnifique. Ça peut être une fête réelle. Ça peut être la fête dans votre tête. Parce que émotionnellement, ça va très très bien aller. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, où les choses vont bien, où on va se marier. Ça peut être un mariage. Et c'est plein, plein de bonheur. On a plein de bonheur. Un mariage, une relation, nouvelle relation qui évolue bien. On va fêter ses fiançailles. On va fêter sa première année de rencontre ou ses 65 ans de mariage. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Et de bonheur partagé. Alors,
Il y a quelque chose de rapide. Alors, j'ai la protection d'un côté, et de l'autre côté, j'ai comme un certain danger où j'ai la protection et j'ai. Ah, ok. Donc, si vous devez vous battre, même si c'est dans votre tête, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si ça me parle d'impatience, de rapidité, de quelque chose de brusque, de brutal, qui va peut-être vous déséquilibrer un petit peu, sachez que vous avez quelqu'un ici, avec l'étoile, qui vous protège. Il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelque chose de très rapide et quelque chose qui va faire que vous allez briller. Et c'est quelque chose qui va aller très vite. Et vous allez avoir de la protection et en même temps vous allez avoir un certain succès. Vous allez avoir de la valeur. Vous allez prendre. Voilà, vous allez prendre de la valeur. Vous allez briller. Vous allez briller. Ok. Là, vous allez prendre un nouveau départ encore, hein. Donc, vous allez avoir tout en main pour pouvoir partir. Vous allez pouvoir partir parce que vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, on ne saurait plus rien vous apprendre là-bas. Donc, prenez ce que l'on vous a appris. Prenez votre famille, vos femmes, vos enfants, ou ce que vos animaux de compagnie, peu importe. Prenez la bonne personne ou les bonnes personnes, d'accord? Allez-y. Parce que vous allez avoir, vous avez déjà tout en main pour réussir et pour gérer l'histoire. Attention, parce que si vous gérez cette histoire-là, ça peut être assez compliqué, mais aussi ça peut peut-être vous demander beaucoup de temps. Mais vous avez tout en main pour gérer, mais vous avez tout en main, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Et laissez derrière vous tout ce que vous ne voulez plus, partir avec ce que vous avez appris, partir plus riche avec de savoir. Alors, là, on a la chance tourne, un nouveau cycle, la chance qui tourne, et le partage. Un échange, un partage, un équilibre. On retrouve on retrouve un équilibre suite à un coup de chance, suite à un nouveau cycle qui va commencer. Un nouveau cycle va commencer et on retrouve un équilibre. Quelque chose de nouveau qui va vous permettre vraiment. Bizarre parce que je commence à fatiguer, donc je commence encore à avoir des visions encore plus. Je dis ça me paraît bizarre parce que cette situation-là, j'ai une personne plus âgée, une personne plus jeune. Pourquoi vous êtes. Enfin, je ne saurais pas le dire. Mais il y a comme un manque, il y a eu un manque, et là vous complétés, vous êtes complémentaires. Ça peut être jeune ou vieux, moi j'ai cette impression-là que j'ai, mais ça peut être des contraires comme ça, mais qui sont complémentaires, grâce à la chance ici. Parce que la roue, elle tourne, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Ok.
Le 9 de denier et le 9 de bâton. Si. Le 9 de denier et le 9 de bâton. Donc, 9 de denier et le 9 de bâton. On sait ce que ça veut dire. Maintenant, les cartes, qu'est-ce qu'elles me font passer comme message? Donc, on se suffit à soi-même. Financièrement, on n'a besoin de personne. On s'assume. Ah, c'est la fin des angoisses. Ok. Non. C'est la fin de... Oui, on angoisse, on a peur de baisser sa garde. On a peur de laisser passer quelqu'un ou de ne pas avoir quelque chose. Peur de baisser sa garde. Pourtant, moi, je vous dis, vous allez pouvoir vraiment maintenant souffler un peu. Vous allez pouvoir arriver à penser, à passer à autre chose, à penser aussi à autre chose, mais surtout à passer à autre chose. Vous n'êtes pas tout le temps obligé d'être sur la défensive comme ça, d'être vigilant, d'être en train de protéger tout et tout le monde. Non. Il n'y a aucune obligation. Donc ici, on est en train de passer à autre chose. On baisse la garde. On n'a plus besoin de monter la garde. Et on s'assume. Surtout financièrement. Tandis que là, j'ai une personne qui vient d'arriver. Je vois un couple de personnes qui sont ni jeunes ni vieilles. Et il y a un bébé, là, un petit enfant. Et le gars, il est tout en sous. Il est sous. Et elle veut partir, mais elle n'arrive pas. Pourtant, ça n'a rien à voir avec les cartes. Hein. C'est une vision que je vais avoir. Elle voudrait partir parce qu'il n'était pas comme ça avant. Maintenant, il est tout le temps bourré. Et il m'est vraiment bourré. Et là, maintenant, elle en a marre. Elle veut partir. Je vois des c'est comme si j'étais dans les cartes, dans cette carte-là. C'est comme si j'étais dans la carte, dans... Enfin, moi, je ressens ça comme dans un bistrot, là. Et je vois le bistrot, je regarde l'autre carte, ça n'a rien à voir, mais... Enfin, voilà, j'ai la personne. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, Mais enfin, c'est marrant, parce que c'est comme si je me transporte dans la carte, sans le faire exprès, hein, sans même le vouloir. Donc ici, vous voyez la personne bourrée, là. Elle est bourrée, cette personne. Mais on est dans le regret, on est dans une crise, on est dans de la déception, dans du chagrin, on focalise sur son passé. Alors oui, vous pourriez vous remettre avec une personne qui vous aurait mise dans une situation de mal-être. Vous pourriez vous remettre avec la personne. Alors, on pourrait venir vous demander de l'aide, on pourrait venir vous demander des conseils. Vous pourriez être amené à donner des conseils à quelqu'un. Votre avis,
votre œil expert. Alors, on est dans les coupes, dans les émotions. Vous allez avoir une nouvelle offre de la vie ici. La vie, le destin va vous offrir quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, une nouvelle offre. Donc, saisissez la chance que l'on va vous tendre. La vie va vous tendre la nouvelle coupe là et arrêtez de vous focaliser sur le passé parce que vous ne saurez plus avoir ce qui est là, ce qui reste là. Pour certains, certaines évidemment, c'est fini, c'est perdu, c'est mort, c'est voilà, on ne saura plus l'avoir. Prenez la coupe que l'on vous tend et avancez. D'accord, avancez et vous allez avoir des choix à faire d'ailleurs. Vous allez ici avoir une petite coupe et puis là vous allez avoir de plus en plus de coupes. Mais là, c'est une carte qui nous dit de faire quand même attention. Alors, on a, évidemment, il faut qu'elle sorte, puisque je ne sais pas si je serai allée jusqu'au bout, hein. Mais on a le 9 de coupe, donc ici c'est la carte qui nous dit de faire un vœu, donc faites un vœu, vous pourrez faire un vœu. Après, on a l'impératrice. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous dominer. Si vous êtes un homme, ce sera sûrement une dame. Et l'inverse, si vous êtes une dame, ce sera peut-être un homme. Mais peut-être que ce serait aussi je sais pas, j'entends, on a flashé sur vous. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. J'ai une personne qui a tout pour être heureux, mais sauf, elle n'a pas encore l'amour. Elle n'a pas encore l'amour. Et l'amour est en train d'arriver, mais vous ne le savez pas encore. Donc vous êtes bien, même dans votre aspect sentimental, hein, mais il vous manque quand même la personne de votre vie. Et là, la personne est en train d'arriver, si. La personne est en train d'arriver, on est en train de... Ça nous parle, oui. On a créé une famille. Pourquoi? Attends, on me dit c'est mauvais, mais c'est mauvais pourquoi? Tu montes tes signes extérieurs de richesse, c'est mauvais. Et c'est ça que je dis pourquoi. J'étais dans mon truc. Alors, on voit les choses sous un autre angle. Rapidité, un brusque changement. Ah, vous allez changer d'avis parce que vous allez prendre un autre point de vue. Vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez voir les choses différemment. Du coup, vous allez changer les choses. Vous allez rapidement. Donc, vous allez mettre en place des choses. Vous allez changer d'avis, mais ça va être quelque chose de rapide. Vous allez prendre une décision rapide. Ce sera mieux, hein, c'est positif. Alors là, j'ai une personne qui donne des ordres à une autre. Ou on paye quelqu'un pour faire quelque chose ou pour dire quelque chose. On paye quelqu'un. Pour se sauver soi-même.
Donc, voilà. On a des offres, une offre d'argent, on a une offre de travail aussi. Ça bouge bien avec les finances, donc des choses nouvelles. Et on a des messages. Pour certains, vous ne vous plaisez pas du tout dans ce que vous faites parce que vous ne faites pas quelque chose qui vous passionne. Vous. Mon Dieu, je vais dire autre chose. J'allais dire, si vous savez rester là, restez-y. Ne bougez pas de votre place parce qu'on risque de vous la prendre. Rien à voir avec les cartes. Alors, ici, des possibilités financières, une évolution et une personne qui va nous aider à évoluer. On a des nouvelles aussi par rapport à de l'argent. On a des nouvelles par rapport à de l'argent. Ou par rapport à quelque chose de matériel, à quelque chose qui vaut de l'argent. Ce sont des nouvelles qu'on vous donne. Par exemple, j'invente par rapport à un immeuble, vous convoitez un immeuble, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelque chose qui va bouger. Et c'est très positif. C'est très positif. Donc, peut-être vous convoitez un immeuble, et vous allez savoir que cet immeuble il va être à vendre ou à louer, par exemple. Donc, c'est super positif. Soyez à l'écoute. Décision. Alors, vous allez pouvoir prendre la décision parce que ce que vous désirez est en train d'arriver. Ce que vous voulez le plus est en train d'arriver. Ce pourquoi vous avez patienté, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez chipoté, c'est en train d'arriver. Et du coup, vous allez pouvoir enfin maîtriser la situation, prendre des initiatives, prendre des décisions, donner vos ordres, etc., etc. Voilà. On arrive vraiment à notre reine d'épée. Il y a un bruit qui va réveiller un petit enfant. Il y a un bruit qui va réveiller un petit enfant ou qui aurait dû réveiller un petit enfant et le petit enfant ne va pas se réveiller. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça. Le fou et la lune. Oh, alors là, vous allez avoir, pour certains, vous allez avoir une tendance à vouloir vous envoler, à vouloir avancer, mais faites attention quand même. On dirait, on s'en fout, je m'en fous, j'en ai marre, maintenant j'y vais, je fonce, je le dis, je ne le cache plus, j'en ai marre. Il faut que la roue elle tourne et c'est ce qui va se passer. Mais c'est. Il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des. Il va y avoir des. On va mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Mais seulement, vous allez. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais moi, j'ai quand même envie de vous dire. Pourtant, vous êtes. Il y a un nouveau départ, oui. C'est sûr. Mais il y a des choses qui vont être dites. Alors, est-ce que ça va être positif pour vous ou pas? Ou est-ce que vous allez fuir? Vous pourriez fuir aussi. Disparaître à jamais. Alors, il y a quelqu'un qui arrive vers vous ici, les amis. Faites attention, c'est quelqu'un ou quelque chose, c'est comme une drogue, c'est quelque chose de très 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 négatif. Une énergie très 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 négative qui arrive ou qui est là et qui veut vous nuire ou qui vous nuit déjà. Donc là, il y a des choses à faire, il y a des choses,
une situation à prendre ou à reprendre en main, vous ne pouvez pas négliger ça. Il y a des excès en tout genre, il y a... Je vois pédophile maintenant. Rien à voir avec les cartes non plus. Je vois vraiment... En fait, je vois... Bon. De l'excès. De passion. Ok. Donc, faites attention aux excès. Vous allez avoir des tentations. Mais vous allez pouvoir maîtriser la situation si vous le voulez. Mais il vaut mieux la maîtriser. Un équilibre. On trouve ou on retrouve un équilibre. Alors, vous allez trouver ou retrouver votre équilibre grâce au comportement d'une personne de votre famille. Admettons, il faut voir si elle parle comme ça aussi. Bon, vous n'aurez plus besoin de lutter parce que l'équilibre va arriver pour vous. Un équilibre va arriver pour vous, vous n'aurez plus besoin de lutter. Vous allez pouvoir souffler. Là, c'est la fin pour vous certains. On vous dit, c'est la fin. C'est la fin. Des angoisses, c'est la fin des conflits. Pour vous allez vous retrouver ou vous trouver enfin dans votre zone de confort. Donc les choses s'arrangent. Là, je viens de voir deux enfants de quel âge, je ne sais pas moi, 12 ans plus ou moins. Les jumeaux, garçon-fille. Et c'est comme si un parent allait leur faire du mal. Bon, ça couronne une image que j'ai vue. Bon, ici, c'est la fin des angoisses. Et on trouve sa zone de... on retrouve sa zone de confort. On doit faire des choix aussi. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a quelqu'un qui va mettre quelque chose sur pause. Ne croyez pas que c'est fini. Parce qu'une fois que vous allez baisser la garde, il va remettre le truc en marche. Voilà. Ça, je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, mais c'est un message que je viens de voir. Et ici, on a la fin. On tourne une page. Ah oui, ça peut être la fin d'un amour, effectivement. Mais ça peut être aussi la fin d'une relation négative. La fin d'une relation négative. Une relation nocive pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors déjà, c'est dans votre tête. Vous voulez quelque chose, vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous voulez communiquer. Vous avez des projets, c'est sûr. Vous voulez avancer. Vous avez un choix à faire et ce choix, il est déjà
pour moi signe de victoire. Et là, on a ici un blocage mental. Là, on a un départ, un nouveau départ, une rencontre, la victoire, un nouveau projet, des choses qu'on va mettre en place, et pourtant on est bloqué. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque. Alors, c'est pas possible parce que si c'était dans votre tête, on n'aurait pas pu avoir des preuves. On n'aurait pas pu voir des choses que l'on a vues et qu'on a été rapportées. Donc ça ne saurait pas être dans votre tête et que dans votre tête. Je sais que je dis des choses qui n'ont sûrement rien à voir avec ça, mais voilà. Et alors ici, je commence vraiment à fatiguer là. Ah, ok. Alors là, on est dans un nouvel amour, dans une nouvelle relation, dans un nouvel amour, dans une nouvelle relation qui va aller sur du très long terme et on va aller jusqu'au bout. On va se marier, on va fonder une famille. Beaucoup d'émotions et beaucoup de... Beaucoup d'émotions. Positive. Alors, on va poser sa charge. On en a marre, on est fatigué, on en a marre, on ne peut plus avancer avec ça sur le dos. On va arriver au bout du bout, ayez encore un tout petit peu de courage, il n'y a plus grand chose à faire, quelques pas, et vous allez gagner. Vous allez vous retrouver maître de la situation. Donc ici, vous avez le 10 de bâton et le roi de coupe. Donc ici, vous allez vraiment dominer la situation, mais il aura fallu passer par des épreuves, des tâches lourdes et difficiles, mais vous allez bientôt pouvoir vraiment poser cette charge pour pouvoir justement devenir le maître surtout de vos émotions, de votre amour, de ce qui vous touche vraiment comme ça. Mais vous allez pouvoir gérer vraiment, gérer et dominer. Ça nous parle de soutien, de générosité, d'une personne qui aide son prochain. Alors, c'est peut-être pas vous non plus, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre. De toute façon. Okay. Alors, on a ici, on se remet en question, on vous demande de méditer, on vous demande de faire une recherche intérieure, de voir votre savoir, d'aller voir votre savoir, d'aller voir dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vous-même. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous élever. Vraiment, j'ai ici une reconversion. On me parle d'une reconversion. On me parle aussi... On est bien. On est bien. On est maître de la situation. On maîtrise la situation. Mais soit même que vous êtes en train de maîtriser la situation, si tout va bien, faites attention parce qu'il y a quand même une petite remise en question qui devra être faite. Si vous ne dominez pas encore la situation, ça va se faire. Mais pareil, vous allez devoir faire une... Ou alors demander des conseils, donner des conseils peut-être. Peut-être donner des conseils. Voilà, il y a ces énergies-là qui vont devoir quand même se faire. Donc vous allez retrouver, pouvoir monter sur votre piédestal ou sur votre trône, mais il va falloir pour cela
faire une introspection, faire une petite recherche intérieure, voir la lumière aussi, qui est éteinte là, mais il faut allumer la lumière, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, que vous devez voir. Alors, vous voyez, on arrive vraiment à la fin des épreuves, ça peut être un décès, la fin de quelque chose, on tourne une page, mais ça va nous aider à maîtriser la situation. On est vraiment... on est vraiment dans cette situation de passion, d'intuition, de féminité, de fertilité. Et j'ai le 10 d'épée. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui vous fait souffrir, surtout mentalement. Mais vous allez pouvoir gérer. Ou alors, quelqu'un va vous aider à gérer. Quelqu'un va vous aider à gérer la situation. Mais vous ne serez pas seul. Ce n'est que provisoire, de toute façon, cet état d'esprit où on est à la fin d'un cycle. Donc. Ah, et ben ici, je ne sais pas, c'est ça, on n'a pas eu tout à l'heure, si on n'a pas eu ça, je ne sais plus. Alors ici, un choix va être fait. Vous allez faire un choix, ou un choix va être fait par quelqu'un, ou une situation va être décidée par un homme de loi. On fait des choix et on a vraiment le pouvoir, un pouvoir absolu. On a un pouvoir absolu. Ah. Ouf, on aura tout fait. Alors là, on a vraiment, on est vraiment ici dans des énergies on est dans des énergies de victoire sur un conflit suite à un événement soudain. Donc il y a un événement soudain qui va arriver, que vous allez provoquer ou qui va arriver comme ça. C'est bizarre parce qu'on dirait que vous y êtes préparé à ce qui va arriver. C'est comme si vous y allez y être préparé. Donc ici, il y a, de toute façon, on gagne. On gagne sur quelque chose qui est un peu pénible psychologiquement, mentalement. On gagne. Mais aussi... ça va nous brusquer, ça va nous changer. Donc, il y a des décisions à prendre et réfléchir bien, bien. Et voilà, il faut vraiment bien, bien réfléchir pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini. Oui, j'ai réussi encore à couper mon jeu, en plus, c'est bien. Voilà, mes amis. Bon, je vous laisse. J'espère que vous aurez reçu quelques petits messages. Au moins que ça vous parle, que ça vous aide. Si je n'ai aidé qu'une personne, eh ben, c'est déjà moi. J'ai gagné. C'est mon but. Si j'ai pu aider, si j'ai pu ouvrir les yeux à quelqu'un, si, voilà. Enfin, si les cartes, à travers ma parole, vous ont aidé, eh ben, c'est le but. C'est le but de ma chaîne, finalement. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ceci, ce sera une vidéo intemporelle. Donc, quand vous la regarderez, peu importe, aujourd'hui, demain, dans un an, dans 6 ans, on ne tombe pas sur une vidéo par hasard. Jamais. Quand on regarde une vidéo, peu importe de qui, ça veut dire que vous devez avoir des messages dans cette vidéo. Et si même vous dites, mais non, ça ne me parle pas du tout, eh bien, retenez quand même que plus tard, vous verrez que ça vous aura parlé de toute façon. Voilà. Bon, à bientôt, portez-vous bien et surtout, soyez positifs.